Et salut tout le monde et bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on se retrouve pour la suite du tournoi Tekken Tag 2 en contre-la-montre et en solo. Et la dernière fois nous avions assisté à une déception ultime en ce qui concerne Forest Law. Pas qu'il ait fait un temps exécrable mais comparé à son père Marshall. Marshall Law qui est pour l'instant numéro 1 de cette discipline avec ses 6 minutes 5 secondes et 16 centièmes. Eh bien, notre ami Forest nous a fait plus de 2 minutes supplémentaires, ce qui est quand même assez navrant, ainsi que Warang aussi, qui a échoué, hein, le numéro 31, la tête de série numéro 31, qui a lamentablement échoué face à Unknown et qui donc réalise un score plutôt mauvais. Donc on va espérer que les suivants vont arriver à remonter, à redresser un petit peu la barre des derniers passages. Aujourd'hui, nous faisons passer la lanterne rouge restante, comme je vous disais, des combattants restants, 2, 4, 6, 8, 10, 11, il reste 11 combattants à faire passer. Et donc la lanterne rouge sur les 11 derniers, c'est Bruce Irvin, classé 36e donc au classement Intertaken, jusqu'à Tekken 6. Et comment il a fait Bruce là sur ce Tekken Tag 2? Eh bien, Bruce, attendez que je trouve 14e en survie en équipe sur 30, 11e en contre-la-montre en équipe sur 30, c'est plutôt pas mal du coup. Mais par contre, en survie, en solo, c'est 50e sur 59, donc il va falloir absolument rattraper ce résultat qui plombe l'américain du coup vers le bas du classement, parce qu'avec deux résultats moyens et un résultat mauvais, forcément on est sur du bas de tableau. Alors je vous dirai évidemment le record de Bruce après. Oh, c'est JC qui a tout pris. Alors que Kunimitsu était encore en lice. J'aurais préféré que ce soit Kunimitsu, mais bon. Bon, un peu de difficulté quand même pour ce premier combat. Et donc le record de Bruce Irvin sur cette discipline est de 6 minutes, 28 secondes et 70 centièmes. Il serait donc deuxième potentiel si réalisait ce record. Je crois qu'il est plus hein, dans Tekken 7, Bruce, hein, si je dis pas de conneries. Hein. C'est bien dommage parce que c'est un personnage que j'aimais bien. Il n'aura pas toujours été présent dans les Tekken. Hein. Tekken 1, bon, n'existait pas. Tekken 3, disparu. Tekken 4, disparu. Avant de refaire son apparition ensuite. Et puis bah là, je crois que Tekken 7, c'est foutu aussi. Donc c'est un personnage qu'ils n'auront pas utilisé tout le temps. Le second de Kazuya Mishima. Get ready for the next battle. Qui lui fait du kickboxing. Allez, le score à battre, évidemment, c'est toujours de 6 minutes 5 secondes. Le score de Marshall. Allez, attention à Ganryu qui aura posé quand même beaucoup de problèmes à pas mal de concurrents. KO.
Slim Bob aussi d'ailleurs, hein, quand on y pensant. C'est une team piégeuse là, contre lequel nous nous battons. Oh là là! Putain, il sera parti! Le mec, il fait les mouvements parfaits pour non seulement me toucher, mais en plus pour éviter mon coup final. C'est quand même incroyable. Alors, stage 4, Anna Lars. Attention, là aussi, ça ne me plaît guère, ce duo-là. Allez. Et non, le coup final. Bon, ça va. Et non, malheureusement encore, la roulade sur le côté. Parfait. Les deux lieutenants de Kazuya qui se sont affrontés contre Bruce et Anna. Et on passe au stage suivant face à Léo et Lily. Léo est la numéro 1 mondiale. Qui fera tout pour arrêter l'Américain sur sa lancée. Une lancée plutôt bonne pour l'instant. Léo qui me pose problème là. Allez. On sent. Aïe 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 aïe. Dommage. Mais Léo m'avait déjà posé problème dès le début de ce round. Et Lily ne m'a fait perdre que du temps lors de sa faible rentrée. Là. Dommage d'avoir perdu un round, Bruce. Bruce. Qu'est-ce que c'est que cette prononciation débile, Bruce? Allez, on continue. Allez, le come and get it. Voilà. Niveau 6 pour Bruce Irvine. Non, malheureusement, j'aurais pas pu éviter cette chope. Tirage assez mauvais hein, sur les combattants à battre hein, pour Bruce Irvine hein, en règle générale. Le tirage n'aura pas été avec lui hein, parce que Michel, c'est pas un personnage que j'aime profondément battre dans ce Tekken. Et du coup, je perds le premier round, c'est pas bon. Putain, oh là là. C'est pas vrai. Bon. Heureusement que la constance de mes coups sautés sauve. Putain, et elle fait des combos de 4 coups maintenant. Putain, c'est pas vrai. Bon sang. Thank you.
Oh là là, ce fut laborieux. Ah, ils m'auront pas lâché la perche, quoi. Ils m'auront pas lâché la grappe, plutôt. Parce que ça veut rien dire, sinon. Tendre la perche, oui. Lâcher la perche, ça ne fonctionne pas dans les proverbes. Et 5 minutes 33, du coup, bon, on est... On va cibler les 8 minutes, là. Mais comment ça se fait que je l'ai pas touché, bon sang? Il y a des coups, je me demande comment ça se fait que ça ne touche pas. Ah là là, face au papy. Là, c'est pareil, comment j'ai pu ne pas le toucher? Au moment du changement. J'étais un peu lent. Voilà. Bon, allez, face au sac à PV, bien sûr. Le numéro 36 va-t-il réussir à se débarrasser de Trouog rapidement? Et forcément, on est déjà à 6.33. On ne remerciera pas Michel Bake pour ça. Oh la vache. Allez, le sac à PV là, il nous fatigue. Allez. Parfait. Allez, on y arrive. Face à June, qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore? Pour l'instant, ça va, elle subit. Là! 7 minutes 35, on peut essayer de sauver les meubles. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Là! Malheureusement, elle bloque le dernier coup de genou, mon sang. Là! Alors, je sais pas si j'ai dépassé les 8 minutes. Je pense que oui. 8 minutes, 1 seconde. Donc, j'avais dit que je ciblais les 8 minutes lorsque j'ai vu mon chrono au niveau des papis. Et voilà, 1 minute, Slim Bob Ganryu. Bon, ça va encore, je m'attendais à pire. Léo Lily, 1 minute également. Et évidemment, Michel Bake, 1 minute 27. C'est ce qui m'aura fait défaut, mais... C'est pas non plus des temps exécrables malgré que j'ai perdu des rounds. Donc bon, plutôt moyen hein, de la part de Bruce. Mais j'étais plutôt mal parti. Allez, eh bien on continue pour cette fois-ci le leader restant, enfin le favori restant de ce tournoi Tekken Tag 2 en contre-la-montre en solo. Et il s'agit du 8e. Au classement Intertekken, la tête de Sonyeri numéro 8. Et il s'agit évidemment de Kazuya. Kazuya Mishima qui fait un tournoi très moyen. Puisque 39e en survie en solo, c'est son plus mauvais classement évidemment.
Donc on tape sur la moitié basse du tableau. Mais en équipe, c'était quand même 16e sur 30 en contre-la-montre. Mais c'est surtout évidemment sa deuxième place en survie en équipe qui heureusement est présente, qui le remonte un petit peu. Mais c'est clairement pas suffisant. Alors il va falloir faire un score exceptionnel sur ce contre-la-montre en solo. S'il veut prétendre à une place haute dans ce classement. Vingt-six secondes pour ce premier round, c'est peu. Mais c'est pas suffisant. Non, ça ne touche pas par terre. Là! Bon, ils auront été résistants, ceux-là. On n'a jamais été inquiété sur ce premier stage en termes de vie, mais par contre, en termes de chrono, malheureusement, nous aurons quand même bien fait galérer. 54 secondes, c'est pas ouf, hein. Genre. C'est léger pour Kazuya pour l'instant, qui a du mal à rentrer dans ce contre-la-montre pour le moment. Allez. Compliqué pour le moment d'arriver à bien enchaîner les coups convenablement pour enlever l'intégralité des barres assez rapidement. Et pourtant on y va, hein. Ah putain, j'ai pas réussi à achever Nina. Et je perds encore quelques petites secondes. Aïe 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 aïe. Putain. Bon, c'est, j'arrive bien à maîtriser mon combat, évidemment, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne suis pas inquiété au niveau de la santé, mais au niveau du temps, c'est pas ouf encore. Hein. Allez, go! Évidemment, Ganryu qui ne veut pas plier. C'est dingue, hein. Voilà, ce personnage me pompe l'air sous toutes ses coutures. Get ready for the next battle.
Allez, on continue notre ascension, on espère. Je vous ai pas donné le comment on appelle ça, le record de Kazuya. Ça tape bien par contre hein, du côté du japonais. Là. Allez. Ah. Évidemment le déplacement sur le côté. Et Xiaoyu qui aura tout fait pour me ralentir encore une fois. Le record de Kazuya Mishima est de 6 minutes, 22 secondes et 30 centièmes les amis. On est au stage 6 face à Anna et Sébastien. Oh là là, là ça va être compliqué encore. Allez, pour l'instant, j'ai pas une bonne défense face à Anna. Ah, c'était trop tôt, bon sang. Ouf, j'ai failli passer à côté de ce round pour quelques petites bêtises. Allez. Anna est là pour me faire perdre du temps encore une fois. Elle a bien engagé son remplacement. Voilà, parce que elle a réussi à partir au moment que je faisais mon coup sauté, en calculant bien le fait que je ne puisse pas toucher Sébastien lors de son entrée. Bon. On en est au papy, ça y est, le ticket est validé pour la phase finale. 4 minutes 43. C'est moyen, encore une fois. C'est quand même mieux que Bruce, hein, évidemment, mais... On l'a vu tout à l'heure. Mais ça reste encore léger pour viser l'élite. Voilà. Oh. Ça passe au rat. Get ready for the next battle. Mais bon, ça passe quand même. On aura quand même perdu encore quelques petites secondes. 5 minutes 22. Et on commence trou ogre. Oh, ça passe au-dessus, quoi. Voilà. Allez. Allez. Six minutes 04. On est à une seconde, évidemment. De Marshall là, ou à du score que l'américain a fait. Donc évidemment, on n'arrivera pas à battre Jun Kazama slash Unknown en une seconde, c'est évident. Toujours est-il que... On peut quand même faire un bon classement si on se débrouille bien. Ah.
j'ai cru que j'allais m'en sortir parfaitement bien. J'ai quand même réussi à se débrouiller pour arrêter ma progression pendant quelques secondes. Ah là là, un clown toujours là. Et c'est bon, c'en est terminé pour un clown. Et donc Kazuya qui fait un score de 6 minutes 46 secondes et 16 centièmes. C'est moins bien que Miguel. 6 minutes 46 secondes et 16 centièmes. C'est mieux que le docteur Boskodovitch. Il se placerait donc et même devant Yoshimitsu qui fait 6 minutes 48 secondes et 8 centièmes. Donc par définition, Kazuya se placerait quatrième potentiel. Donc derrière le trio de tête, commençant par Marshall Lau, Jinpachi Mishima et Miguel Caballero Rojo. Quatrième donc pour le Mishima. Et quand on regarde la répartition des scores, 54 secondes, et bien c'est le premier stage ainsi que le sixième. Anna Sébastien au niveau 6. Et Alissa Feng, j'avais dit que j'avais eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Et ce fut le cas. Hein. Donc ils m'auront fait perdre un petit peu de temps. Il aura, il y a 41 secondes d'écart entre les deux. Donc il aurait fallu 20 secondes de moins pour Alissa Feng et 20 secondes de moins pour Anna Sébastien pour réaliser l'exploit de doubler Marshall, mais ça ne sera pas le cas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et on se retrouve prochainement pour la suite du tournoi Tekken Tag Tournament 2. Il en reste peu, il n'en reste plus beaucoup, alors restez connectés. Salut à tous!